Moi, je suis contente parce que maintenant on fait des travaux et enfin on a choisi le wallpaper. J'ai oublié comment ça s'appelle et j'avais trop faim. Je me suis acheté ça. C'est trop trop bon, c'est vegan. Là, il n'y a que des herbes dedans, mais c'est trop trop bon. Et voilà. Et c'était le magasin. Il pleut à mars, on dit un mois de fou. Voilà la continuation de ce vlog. On est le lendemain. Je me suis maquillée, je me suis réveillée, j'ai décidé de filmer. Et du coup, mon voisin, mon nouveau voisin, qui est une personne âgée, il regarde la télé dès 9h du matin. Et si avant, je m'imaginais à filmer jusqu'à 10h au moins, et même à 9h, elle regarde la télé, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle se réveille, quand est-ce qu'elle dort. En plus, je suis allée dans l'appart pour voir le carrelage et tout, et pour décider la place des outlets. Dites-moi comment ça s'appelle en français. Et du coup, je retrouve que le carrelage que je suis allée chercher hier pour la cuisine, il est trop gris dans le magasin. Il me paraissait d'être blanc. Mais là, le carrelage, il était gris. Et j'ai appelé, j'ai demandé de le changer par un autre carrelage de la même collection, mais qui était plus beige, quoi. Et j'ai hâte que tout se règle un peu dans ma vie, de tout mettre en ordre et pour commencer un peu prendre soin de moi, mieux utiliser le temps, mieux gérer le temps. Rien n'est prêt et je commence à vraiment vraiment m'énerver et je pense que je savais un peu que ça allait aboutir à ça parce que toutes les fois les travaux, ça c'est un gros stress sur moi. Hier toute la journée je passais d'un magasin à l'autre, j'ai pas filmé mais j'ai passé d'un magasin à l'autre, donc toute ma journée était dédiée aux travaux, donc en plus, c'est pas payant. Et c'est non seulement pas payant, mais c'est aussi, ça consomme tout ton argent. Et aujourd'hui, j'ai répétition. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être étonner. J'étais toute excitée pour le théâtre, etc. Mais là, vraiment, j'ai envie. J'ai envie d'avoir une pause. En plus, j'ai eu cette réflexion que, en fait, je dédie beaucoup de temps à ça, beaucoup d'énergie. J'y vais presque chaque jour. Je veux dire, j'y mets vraiment beaucoup d'énergie. Et ça me fait réfléchir que, par exemple, tous les projets ou toutes les idées que j'ai dans ma tête, j'ai jamais fait de la façon pareille quelque chose pour moi. Mais quand c'est un projet pour quelqu'un d'autre, il y a plus de responsabilités, il y a plus la sensation de la responsabilité de faire quelque chose, etc., etc. Même si je vous assure que ça m'apporte pas d'argent, etc. Ça m'apporte de l'expérience, mais c'est tout ce qui me reste. Dans un sens, je me suis dit, mais c'est vraiment trop mal que moi, je dédie pas autant de temps à mes propres projets. Il faut que je me lance parce que chaque fois j'attends le bon moment, etc. Et maintenant écoutez, on est en 2024, c'est déjà fin mars, donc on va avoir bientôt le Pâques cette semaine. Et 3 mois se sont passés comme ça. Non, j'ai pas vraiment aimé le carrelage pour la cuisine. Même si je suis énervée, comme mes économies sont assez limitées, donc j'ai acheté un carrelage qui était cher et maintenant je l'aime pas. Et du coup, faut aller chercher un autre carrelage. J'espère que je vais réveiller tôt. Je vais filmer et après, direction magasin de encore de tout ça. Comment ça s'appelle?
magasin de matériaux. Voilà, est-ce que quelqu'un peut venir faire tout ça à ma place? Dès le matin, je me suis réveillée vers 7h30. J'ai filmé, j'ai pas même vérifié ce que j'ai filmé parce que d'habitude je le fais car des fois tu sais pas, il y a un problème avec le son, etc. Mais j'espère que tout ira bien. Regardez ce que j'ai derrière. C'est le chien! Mais c'est pas mon chien, c'est pas mon lit. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est pas mon lit. C'est un autre chien. Qui était sauvé de la rue, mais ça je vous raconterai un peu plus tard. Et là, de midi, j'ai terminé vers 11h30, et de midi, c'est que travaux, travaux, travaux. C'est vraiment un full time job, hein. J'espère que vous allez bien. On continue le vlog de la semaine. Je vous ce dernier temps, je regarde une fille qui m'a pas mal inspirée de faire aussi pareil. Mais je réussis pas pour le moment parce que j'arrive pas à tout filmer. Et il y a vraiment des moments importants que j'oublie de filmer parce que je suis trop dans le moment. Et voilà, c'est comme ça. Comme hier, on est parti dans la maison pour voir les travaux ou pour discuter quelques travaux. Et du coup c'était après ma répétition de théâtre, j'étais fatiguée, sur la route je me suis endormie, après on a vu les travailleurs. Et là je bois mon verre d'eau chaude avec du citron, ce que je fais d'habitude. Déjà le matin j'ai fait un tout petit soin des cheveux. Je dois vous avouer que mes cheveux ils sont devenus trop dull. Voilà, je connais pas ces mots, mais bon. Ça veut dire qu'il me faut peut-être des masques ou un petit soin ou quelque chose pour revenir à mon bon état. En plus, hier soir, je me suis rendu compte que soit ma mère, soit ma soeur, ils ont jeté l'appareil pour les dents que je portais. Et j'ai appelé l'orthodontiste, mais elle m'a dit d'appeler après 3 heures. Donc voilà, et je me suis inscrite pour mes ongles parce qu'ils ont pas mal poussé. Je sais pas quoi, qu'est-ce que je vais faire comme couleur. Je pense que je vais changer en truc un peu nude. Même si je pourrais continuer franchement avec cette couleur-là parce que ça me plaît beaucoup, beaucoup. Bon, on passera en supermarché et on mangera quelque chose. Voilà, ce sont les chiens. Bon, du café parce que je vais travailler et souvent je m'endors quand je commence à faire le montage. Et je me suis changée parce que j'étais toute sale après avoir promené les chiens. Il fait trop beau et j'ai encore 2 heures avant mes ongles. Bon, il est temps de faire les ongles. Il est minuit, on promène les chiens et après routine soin de la peau et dodo. Il y a des voitures qui passent, même si minuit. Il y a de la lumière, il y a des gens qui rient. Voilà, c'est très vivante, quoi, cette partie de la ville. Même à cette heure-ci. On commence la journée dans le parc. Il fait plus beau aujourd'hui. Vous pouvez entendre même les oiseaux qui chantent et tout. Hier, j'ai pu filmer tout simplement parce que j'ai eu une conversation très très désagréable avec le gars qui travaille dans l'appart. Et après, j'ai même oublié de poster une vidéo, donc j'ai mal dormi. J'étais un peu sous l'impression de cette conversation. Des fois, je me rends compte que ça vaut pas le coup vraiment d'avoir ce genre de conversation. La situation ne va pas changer. Ce matin, j'ai filmé 2 vidéos, mais c'était pour mon Patreon où on discutait des ASMR artistes que j'aime, que je regarde, un gros l'ASMR, les réseaux sociaux,
tous ces changements, etc. Et là, on est dans le parc avec les chiens. Et après ça, j'ai ma répétition. Alors, je viens de prendre ma douche, laver mes cheveux et tout. Et vous savez, j'allais le faire. Et du coup, je voulais mettre un podcast parce que normalement, quand je prends la douche, j'écoute une vidéo, un podcast, un truc comme ça. Et après, je vois qu'il est 5h moins 4. Non, 5 minutes, désolé. 5 minutes moins 4. Et à 4h, j'avais un rendez-vous chez mon orthodontiste. Je me suis dit, merde. Je me suis vite préparée et vite partie. J'étais en retard pour 15 minutes, mais bah, ça va, c'était pas loin de chez moi. Et j'avoue que ça me fait un peu différent et un peu bizarre que je suis absolument sans maquillage devant la caméra. Il n'y a pas de filtre. Et comme sur Insta, des fois, tu peux au moins mettre un filtre. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je pense que si j'avais des extensions, ça serait mieux, mais j'ai pas d'extensions. Mais ça fait un rêve de faire des extensions ou de faire une lamination. Parce que quand j'ai fait une lamination, j'étais vraiment très contente. Ça reste des propres cils, c'est justement, ça remontait, c'est beau et tout. Et là, je vais me faire du café. Le soir, on va aller au resto. Ça m'a manqué les restos, si je suis honnête avec vous. Voilà, je parle proche de la caméra parce qu'il y a trop de bruit. J'espère que je vais pas oublier de payer pour mon parking. Citron et gingembre. Et bon matin. Et j'en suis sûre, il va pleuvoir aujourd'hui. J'adore ça. Bon samedi. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Bon samedi à tous. Je devrais avoir une répétition aujourd'hui. Mais tout était annulé parce qu'il y a des gens qui sont pas responsables. Voilà, et c'est terrible. Parce qu'on joue lundi. Et toute la semaine, on n'a pas fait de répétition. Donc, on devrait avoir la grande répétition d'aujourd'hui. On a aussi une autre répétition dimanche. Et lundi, c'est pas vraiment une répétition. C'est justement, tu check les lumières et tout. Alors, maintenant, tous mes plans sont écrasés, mais j'ai quand même des petits trucs à faire, donc je vais essayer de m'organiser. Je bois ça et je vais sortir, et après je vous raconterai parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone et je ressens un appel. Alors je suis déjà dans la voiture, je vais aller chercher la robe que j'avais donnée pour ajuster. Bah, je vais plus pouvoir parler parce que je dois faire attention au trafic. On a promené les chiens, je suis allée à l'appart pour choisir les parties où je vais avoir les outlets, l'électricité. Je vais filmer cette partie, j'ai trop faim. Je me suis pris en kebab. Mais nous, on n'appelle pas ça kebab, on appelle ça shawarma. C'est comme en... Ouais, mais je sais, en France, c'est kebab. Mais en Arménie, c'est pas comme le kebab en France. C'est beaucoup moins gras. Je vous laisse parce que j'ai trop faim. Je vais me faire du thé avec du citron. Bah, c'est du thé avec du citron, ça veut dire de l'eau avec du citron. Et voilà, c'est tout. Des boutons là. Des petits boutons, il faudra en débarrasser. Mais le problème, c'est que... Je commence à sentir que j'ai un peu mal à la gorge, un tout petit peu, mais quand même. Donc il faut que je prenne bien soin de moi pour avoir le spectacle. Et après, je pense que c'est obligatoire que j'aille voir un docteur. Je vais laisser dans la voiture ma robe pour demain.
et mes chaussures pour demain pour la répétition. Voilà. Je pense qu'on va faire le dîner. Il vous donne la carte de Vienne et vous avez tous les endroits. Et il y en a plein que j'avais visité là. La cathédrale de Stéphane, la Ratusha, ou je sais pas comment on dit ça en français, j'ai oublié déjà. Voilà, la Belvedere. Je me manque de Vienne. Et là, je vais boire mon thé de camomille. Me calmer parce que la répétition c'était terrible. So it's 10 evening. I'm going to my repetition.